Aujourd'hui, on va avoir une technique de tirage de cheveux. L'idée, c'est de vous montrer une technique pour des gens qui n'ont jamais fait de Krav Maga, qui ne sont jamais venus à l'entraînement, mais qui soient accessibles et que vous puissiez travailler à la maison pour être prête si un jour vous étiez embêté. Donc Marie-Pauline, comment ça se passe? Donc on va te tirer par la queue de cheval. D'accord. Donc première chose à faire, ça va être de te retourner pour aller du côté de ton agresseur. Parce que forcément, si tu te laisses tirer en arrière, ça se passe moins bien. Donc première chose, on te tire les cheveux, tu te retournes. Deux choses, la main va en protection, on va mettre le coude devant. Le coude, il a plusieurs intérêts. D'abord, c'est que ça va te protéger d'un coup éventuel et ça va protéger ton nez en même temps. Donc on ne met pas le coude devant les yeux, sinon on ne voit plus rien. Okay. Donc le coude, il va aller à peu près au niveau du nez. Puisque tu auras la tête baissée, hein, t'es comme ça, tu vas te tourner, donc tu seras vers le bas, et ça va principalement t'éviter un gros coup de genou dans la figure. Donc le coude, il est là, devant, pour protéger. Ok? Donc on met le coude là. L'autre main va aller en cuillère, mettre des coups au niveau génital, pour qu'il te lâche. Un homme, il se prend un coup en génital, il lâche. Que ce soit clair pour tout le monde. Donc deux choses, on se retourne, on met la main en protection pour éviter. De point de vue pédagogique, on peut s'habituer au début à aller chercher son épaule, mais à terme, le but, c'est de mettre le coude devant. Et coup en génital. On tire et on tape. Ok, faut que ça fasse poc. T'as vu comme il a sauté malgré la coquille? Eh ben, tu fais pareil. En fait, quand on te tire les cheveux, tu vas pas résister parce que ça fait mal. Donc, en fait, vas-y, tire. Quand tu tires, tu vas suivre le mouvement. Et c'est en suivant le mouvement que tu vas arriver en bonne position pour mettre ton coup. Si tu essaies de résister, il va juste tirer de 10 mètres comme ça. Non, là, c'est foutu. Et lui, il tire les cheveux, hein, nous on peut le taper en génital. Voilà, ça fait mal, tu vois. Donc tu vas et bim. Ouais. Ok? Tu te souviens, on nous tire les cheveux vers l'arrière. Donc on tourne à 180, on met le bras en protection et on tape. Main en cuillère et vers la coquille. On te tire les cheveux vers l'arrière, demi-tour, bras en protection et on tape coquille jusqu'à ce qu'il lâche. Allez Marie-Pauline, maintenant tu sais faire, je te laisse faire toute seule. Oui, c'est bien, très bien. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner à la maison et à nous suivre sur la chaîne YouTube de l'AK44.